Et on est de retour pour cette seconde game de cette finale de la Blitz Cup. 11e édition de la Blitz Cup, on le rappelle, la première game a été remportée haut la main, haut les pieds, tout ce que vous voulez pour l'équipe de Sound avec Goose, Minu, etc. Donc qui se retrouve sur side rouge cette fois-ci, qui nous ont montré du gros jeu. Donc on a Boost qui va jouer en Kayade, Nidalee de Sound qui sera très certainement mid, Alistar en jungle. Le blanc, on sait pas trop où, et non, Udyr top. Donc voilà, je pense que Nidalee sera peut-être support. Elle va bouger là-haut, enfin on verra. Tout à l'heure, quand j'ai voulu émettre des pronostics et des possibilités de lane, Draven jouait au mid, enfin c'était le bordel. Du coup, je m'avance plus trop. En face, la bot lane, Kai'Fruit, pardon, qui est reparti sur sa Caitlyn. On a une Valkyrie, Leona, et non pas un Taric cette fois-ci, en Rengar en jungle. Erias qui retourne sur son Rumble, et une Infiltrator Irelia sur la top lane. On va voir ce que ça va donner. Pronostic, les gens me demandent, puisque bien entendu nous sommes en direct, vous retrouvez cette VOD sur YouTube, les gens me demandent des pronostics. Et bien honnêtement, pour l'instant je ne sais que dire, mais je dois t'avouer que j'ai une préférence pour la composition qui est en bas, surtout parce que Blues a récupéré Draven. Alors s'il s'avère qu'il nous fasse une démonstration telle qu'il a faite en début de tournoi tout à l'heure, c'est-à-dire être un film de cul ambulant, ben on risque d'avoir pas mal peur. Allez, c'est parti, je vais essayer de mettre ça en considération. Donc c'est vrai qu'Alistar jungle, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu, ça fait plaisir. Donc on va voir si c'est comme ça ou pas. Donc toi tu es au mid, toi tu es là et toi tu es là, c'est bon, on est parti. Alors il est peut-être possible qu'on ait une Leblanc support et une Nidalee au mid. Donc on va voir, et une Leblanc qui part avec un Elixir. Je pense que c'est une Leblanc qui part sur la bot lane, honnêtement. Son stuff laisse présager un futur supporting. Un futur supporting sur cette botlane à mon avis, puisqu'elle a pris un élixir pour un petit peu d'AP. À mon avis, ça doit être pour un fight ciblé, etc. qui va durer, je sais plus comment ça dure, c'est 3 minutes, c'est ça. Voilà, 3 minutes, et puis elle a 2 wards, donc c'est pas mal. Attention, on a Somme là qui va placer des trappes à droite et à gauche, qui attend son cooldown. Ça bouge pas, faudrait peut-être y aller très très tôt là avant qu'il replace un trap. Le trap qui est présent, le trap qui a été posé au mauvais endroit. Là, ils l'ont vu. Est-ce qu'on va y aller ou pas? 30 seconds into minute spawn, et voilà, elle est passée. Attention les amis, on a Sexe Gorn, et voilà le face tag de la mort qui tue, et First Blood récupéré par le Rengar, c'était sûr et certain, l'invade des familles, et notre ami Son qui s'en mord les doigts tout le temps très rapidement. Attention à Sol qui prend quelques dégâts aussi, qui est tué, il est chaud des genoux aujourd'hui là, il y va, il a pas le temps, il a pas peur, et donc essaye de nous récupérer tout ça. First Blood donc pour les bleus, gros début de game, plutôt bien placé j'ai envie de dire. Hop. Voilà, excusez-moi, je coupe le stream à côté, puisque on va éviter de vous faire laguer par contre. Donc on est pas mal, on est pas mal pour l'instant. On a back du côté de la Irelia, récupérer une ward grâce à l'assist qu'elle a eu, et éviter d'être trop vulnérable justement à leur gank de la part de Alistar. Alistar qui est un monstre hein, en ganking, bah, qui a énormément de contrôle, qui est vraiment très très intéressant. Donc du coup, à faire attention là-dessus. K2 qui a fini, c'est vrai, s'il a été aidé, je pense qu'il va prendre un espèce de semi-pool, on peut appeler ça comme ça, puis ça n'existe plus vraiment, de la part du Rumble. Il va sur un départ, K+, il claque ses popos, et voilà, le smite qui a été claqué, d'ailleurs, je trouve ça assez bizarre, je pensais qu'il allait vraiment le garder, mais non, il prend pas de risque, parce qu'on peut voir quand même qu'il a pris pas mal de dégâts, et peut-être ne pas risquer tout ça. Nanaki, on peut voir que lui aussi il est pas très bien, il a la tête qui tourne hein, le pauvre. Il va claquer son smite pour pouvoir récupérer son red buff, ce qui est fait, donc pas trop de problèmes, et passer son niveau 2. D'ailleurs la lanterne machete qui est pas mal, parce qu'elle permet d'avoir beaucoup de potions, 5 potions comme une armure d'étoff, mais qui aide vraiment au début de jungle, contrairement à ce que donne l'armure d'étoff, juste de l'armure, pas forcément des dégâts sur les monstres nôtres. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, cet item que j'aime beaucoup pour les jungles maintenant, qui certes la jungle est plus dure, mais elle a été tout de même bien foutue. Attention, Draudit qui prend très très cher, Draudit qui a pris Bagdad là, c'est quoi ce flash, il revient, il a totalement piffé, et derrière Nanaki qui récupère le kill grâce à son red buff. Vous avez pu voir qu'il était parti, il a voulu laisser à son top laner, malheureusement le red buff a été plus fort que toi, un petit peu comme Sega, et donc ça c'était assez compliqué. En la somme, donc, qui est en train de farmer, vous avez pu voir que l'animation, donc on va essayer d'y revenir un petit peu, l'animation de Nidalee avec sa nouvelle animation. Alors attends. Est-ce que je serais pas un petit peu con au point de me répéter 8 fois? Donc avec la refonte graphique de Nidalee, voir que son animation de la lance est bien plus rapide, donc facilite le last hitting, ça ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs je crois que Skyheart en avait en plus parlé, enfin il m'en avait parlé, il en a parlé pendant son stream aussi, il disait que voilà, s'il y a des gens qui voulaient se mettre à Nidalee maintenant, pour le last hitting c'était plus facile, parce qu'avant c'était un petit peu plus chiant. Boost qui prend très cher là, qui se fait exhaust, il prend vraiment Bagdad, il s'est fait ignite et il va tomber sous les coups de Kai'Fruit. Très très bien joué, très belle initiative de la part de la Leona, la lame du Zénith qui lui a mis bien Bagdad, et il a un petit peu paper
notre ami Blues, et donc qui donne son kill sur cette botlane. Attention, on a Nana qui arrive, on va peut-être aller le chercher ou pas. Ah, ça c'est assez compliqué, c'est vrai, de gank une Nidalee avant son niveau 6 parce qu'elle a pas de burst, elle a, à part sa spear, bon, c'est pas forcément évident à placer, etc. À part ses auto-attaques, donc au niveau 6 c'est plus intéressant, mais là c'est pas forcément évident, donc ils vont quand même tâter quelque chose. Assez heal de suite, voilà, le coup de bidon, le headbutt qui est passé, la spear derrière qui a été tankée par le shield, donc pas de problème. Il a préféré ne pas comboter apparemment le Alistar. Pour essayer de tempo, attention, Nana qui, là, qui se fait choper, il place l'atomisation, il a plus beaucoup de mana, il va peut-être se faire récupérer, ce serait chaud, il a été obligé à flash là tout de suite. Et il va s'en sortir, mine de rien, heureusement pour lui. Nanaki qui joue donc jungle cette fois-ci. D'ailleurs, il jouait jungle tout à l'heure, je crois, enfin bref, il change tellement de fois que je me souviens plus vraiment à chaque fois ce qu'ils font. Nos amis, donc c'est assez compliqué. La Omi qui est un petit peu sous pression, mine de rien, face à la Irelia, là il prend pas mal de dégâts, c'est pas évident. Assol qui lui joue son rôle de support jusqu'au bout avec sa Leblanc hein, en bas, donc là il va jusqu'à chercher les trappes. Attention, voilà, il essaye d'arrasser un petit peu, il prend quelques dégâts, c'est bien. Boost, ça bait, mais derrière Boost qui va récupérer le kill, je pense, sur Summers. Voilà, c'est récupéré, c'est bien fait. Kaifrus qui va prendre lui aussi assez cher. Boost qui gère plutôt bien, il va essayer de récupérer le kill avant de tomber, ce serait plutôt pas mal. Et Kaifrus qui va tomber, non, Kaifrus qui tombera pas, le QC qui va passer là. Le blanc qui nous récupère le kill tandis que sur la top lane, c'est pareil, ça a été fait. Heureusement qu'il a sa petite chaîne pour temporiser Astor et permet de s'en sortir à 4 à 3, 7 kagol 3 à 7 kagol 4. C'est très très serré, les amis, en ce début de game. Et là-haut, au final, c'est lui qui a réussi à récupérer le kill sur son vis-à-vis. Plutôt bien joué quand on voit la masse de sbires qu'il y a. Je lui aurais pas donné l'avantage là-dessus. Nanaki, donc, qui vient sur cette bot lane, essayer de push forcément puisque le Karyade n'est pas là. Il va leur faire perdre un maximum de crimes, mais malheureusement, il a un petit peu mal pushé parce que là, ça va, il y a possibilité de freeze. Possibilité de freeze, il y a, il me semble, de la part des bleus là, s'ils gèrent bien leur lane. Nul là-haut qui lui freeze comme un chien maigre, mais vraiment hein, le chien maigre des familles, le chien maigre est présent. Et du coup, il se fait assez plaisir, il est en train de dépêcher tranquillou. Ça va, c'est pas trop mal. En jungle, donc Nanaki, revenant un petit peu à lui, là, la vachette folle, elle est partie sur une Spirit Stone, voilà. Mais je pense que, honnêtement, Spirit Stone qui, pareil, est vraiment devenu un must-have pour les junglers. Actuellement, il n'y avait pas cet équivalent à l'époque. C'était Gold Income. Voilà, tu faisais ton cœur d'or, tu faisais ta philo et c'était ça. Maintenant, on peut faire Spirit Stone, faire ses bots, faire du Gold Income avec la philo et la Spirit Stone qui donne de la régène un petit peu partout, qui permet d'évoluer sur 3 items très intéressants parce que on se dit que la Spirit Stone au final, ça sert pour les gens qui veulent pas faire de Madred et faire de Vriggle, mais non, pas forcément. Je pense que honnêtement, des persos comme Lee Sin ne sont pas obligés de partir sur Vriggle. Putain, il met vraiment Bagdad là, il va aller tower dive. Attention, il se fait stun Milky un petit peu trop fou. Il va essayer de repartir là, je pense qu'il va tomber, la position de la tortue, mais Draudit qui est derrière, Draudit qui va essayer de jump à tout moment, de le récupérer. Oh non, voilà, c'était sûr. Est-ce qu'il a la possibilité de l'avoir? Milao qui est un petit peu dans la menace, mais qui va s'en sortir au final, et mine de rien, heureusement. Donc je disais, oui, hein, Lee Sin n'est pas obligé de partir sur une Vriggle, il peut très facilement partir sur un Spirit of the Elder Lizard, qui est donc l'esprit du vieux lézard, qui en fait donne un effet passif tel que le red buff. J'ai du mal à parler, je crois que je suis fatigué. C'est vrai qu'après 8 heures de cast, ça commence à faire. Mais moi, je trouve ça très très intéressant. Attention, la chaîne qui est passée là, c'est très bien fait. Assol qui n'a pas son ulti encore. Assol, dès qu'il aura son ulti, pourra s'en donner un petit peu à cœur joie aussi. Parce qu'il pourra silence comme il faut, se faire bien plaisir avec pas mal de burst. Donc j'attends de voir. Puis il avait claqué son elixir en qu'il n'a plus maintenant. Par contre, on a plus de ward sur cette botlane, ils les ont placés au niveau de la tribage, donc faire attention quand même, jamais à l'abri d'un gang d'un Rengar, surtout dès qu'il sera 6, il aura la possibilité de venir en fufu et derrière on n'aura pas la possibilité surtout de le voir arriver. Attention, le trap qui est passé sur la sol, qui se fera pas engager. Heureusement, Boost là qui essaye de l'avoir, Boost qui prend quand même de pas mal de dégâts, Boost qui se fait complètement découper et Assol qui essaye de le zoner un maximum. Heureusement pour lui, il aura pu s'en mordre vraiment vraiment les doigts. Est-ce qu'il va aller chercher? Attention, voilà le son passif qui proc tout de suite. Donc ça lui permet de s'en sortir. Une spear qui ne passera pas, très bien esquivée de la part de Kaifrus là qui a vu juste. Et au final le ghost qui va tomber ne tient pas à grand chose. Donc on va essayer de pêcher avec Son qui est dans les parages. On a également notre ami le Rengar qui est sur cette bot lane, la vachette qui se dirige sur cette top lane. Oh là là, c'est chaud là, je pense que ça va péter des deux côtés sur les deux lanes. Faire attention, on a le mid qui n'a pas décalé, Rumble qui est toujours au niveau du mid. Attention, ils engagent Blues qui a dû craquer tout ça, mais qui va tomber malheureusement sous les coups de Kaifu. C'est très bien fait, Assol qui s'en tirera pas grand chose. Est-ce qu'ils vont aller le chercher? Kaifu qui n'a malheureusement pas d'utile, le double kill récupéré par le Rengar qui va
tomber malheureusement sous les coups du Karia Pemil. Mil qui a plus beaucoup de vie. Et derrière, on a Rumble qui est arrivé. Rumble qui fait tomber Mil. Et le flash de Rumble qui permet de s'en sortir. 6-5, c'est compliqué. Lidman qui a été claqué. Et Summerzor qui va tomber. Et Soul qui est on fire. Soul qui le récupère. Le double kill sur cette botlane. Triple kill d'ailleurs. Puisqu'il a récupéré juste avant le Rengar. Soul qui nous a fait un magnifique move sur cette botlane. Et les a temporisés comme il le fallait. C'est chaud, chaud, chaud. C'est très bien joué en tout cas de sa part. Il va continuer de push like a boss sur cette bot lane. Essayer de continuer de mettre la pression justement. Et de faire perdre un maximum de creep. Tandis que Riaz lui avait décalé sur la top lane. Qui s'assure le kill sur Miumi. Qui est pas très bien là avec son... Enfin qui est pas très bien, voilà, tout est relatif. Vous pouvez le voir au niveau du pharmicien. Il a quand même un kill alors que la Irelia est à 0-2-2. On pourrait plutôt dire que c'est elle qui est au fond du trou. Mais lui il s'en sort pas trop mal au final notre ami Miu. Et Riaz qui a décalé et récupéré tout ça, c'est pas mal fait. Rengar qui lui est à 4-1 pour un bon vieux jungle. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On commence à faire pas mal de dégâts, il a terminé sa Vrigal. Donc là il est bien dans sa game. Il est bien dans sa game le Rengar. Donc on va voir. Ouais ouais c'était chaud. Comme vous dites dans le chat, il y a certains moves qui sont, ils sont un petit peu what the fuck. Mais là, Blues malheureusement ne peut pas faire grand chose pour l'instant. Voilà, ça rase très très bien le silence qui passe de suite pour, enfin, de suite après que le cul soit claqué de la part de Leblanc. Elle claque un spell derrière. La Mi qui est en train de bait, hein, mais bait jusqu'au bout du monde. Alors c'est un petit peu obvious j'ai l'impression. Là-dessus, pour l'instant, il essaie de se régénérer tranquillou. Il essaie de tanker les sbires. Manaki qui attend toujours dans les parages. Mais Drodit qui n'est pas fou. C'est très bien ce que ça sent le bait des familles. On a Rengar en plus qui est à côté. Donc faut faire attention au counter gank qui peut s'avérer vraiment plus violent qu'on ne le pense. Attention, ça attend toujours, ça a pas été vu, peut-être un dive des familles. Voilà, on a Rengar qui arrive, le Rengar qui a été vu, attention, on y va, on va tanker tout ça, Nanaki qui est niveau, niveau 7, donc il a son ulti, mais qui ne va pas le claquer, Kaitu, attention. Non, c'est bon, au final, plus de peur que de mal, on se regarde dans le blanc des yeux, on se met un petit peu la pression, mais rien de bien méchant, rien de bien méchant. En bas, Sol qui prend le trap là, qui est vu, qui apprend, non, le Piptover qui est esquivé du bout du doigt. Et là-haut, par contre, ça donne sévèrement et Kaitu qui prend pas mal de dégâts, qui a été push. Il peut se heal juste sur le bout, mais ça va être très compliqué. Et ouais, le red buff qui prend, qui fait trop de dégâts, mais qui récupère le kill. Et attention, c'est du 2v1 qui est engagé pour Drogue, qui récupère le kill. C'est très bien fait du 1 pour 1 pour l'instant, mais derrière, la puissance de la machette qui récupère le kill à coup de corne dans le cul. Attention, joli ulti de la part de la Leona. Blues qui a pas de vie, Blues qui récupère le kill sur son vis-à-vis. L'ulti qui a été claqué, mais un Sol qui reste au milieu pour temporiser, pour prendre l'ultimate de la Caitlyn. Très très bien fait, attention. Mine de rien, ça s'est joué à pas grand chose quand même sur cette botlane. Blues qui depuis le début manquait de réussite, avait du mal, et là commence à revenir petit à petit. Il faut avouer qu'il a eu quand même une petite dose de chance là-dessus. Et Assol qui a très très bien tanké les dégâts de l'ulti, parce que ça aurait pu être très difficile. Ouais, ouais, la puissance de la vachette comme vous dites. J'aime beaucoup Alistar, c'est un champion que je trouve très très bien, autant en support qu'en jungle, même si c'est ma petite préférence en jungle. Et d'ailleurs je vous le conseille si vous souhaitez débuter la jungle, c'est un perso qui est pas très difficile de prise en main, il a un bon gameplay. Donc honnêtement, tentez-le, la TP qui a été claquée, qui c'est qui a TP là-dessus, oh mon dieu c'est Assol, et Assol qui place magnifiquement sa petite truc, oh là là il lui met tellement de dégâts, est-ce qu'il a un ignite, non Assol il est déçu, il fait pas ses dégâts malheureusement, et oui tu es super, attention Assol qui a plus beaucoup, lui qui essaie de bouger pour prendre le kill, et voilà, tu ne peux pas esquiver le lance-flamme de Rumble, et oui c'est un pompier le bonhomme, il arrive, il te met le lance-flamme, ça ne veut rien dire, puisque les pompiers, bien entendu, éteignent le feu et ne l'allument pas. Donc voilà, citation de merde. Mi qui engage tout de suite face à Draudit du 1v1, un 1v1 de folie là qui est engagé, le stun qui est passé. On voit qu'il y a quand même pas mal de sustain de la part des deux. Et c'est très dur de les départager pour l'instant. Assol qui continue de mettre la pression, qui continue de zoner son adversaire. Oh là 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 là. Et là on a le décalage, l'ulti qui va peut-être être claqué de la part de Riaz. Non, pas de dive. On s'occupe de tout simplement dépush cette top lane et de mettre un petit peu sous pression son adversaire. Son vis-à-vis, la ward qui a été claquée là de la part de Miu sur la top lane pour avoir la vision dans la tribush. Et c'est en train de dépush assez rapidement. Attention, un Sol qui s'est fait choper par le trappeur, voilà, qui jump tout de suite pour s'en sortir. Malheureusement, la chaîne qui ne passera pas sur Summer. Et on voit la Blues qui commence à travailler son Arras. Alors le problème avec Blues, enfin le problème avec Blues, non, le problème avec le champion avec Draven, c'est que vous avez pu le voir, une fois qu'il a touché son adversaire, s'il s'approche un petit peu trop de la toile, où t'as plus beaucoup de vie à Sol, tu devrais partir. Une fois qu'il a touché son adversaire qui est sous tour, il peut pas trop s'approcher parce que vu qu'il est permanent en permanence avec ses hachettes d'activer,
Il proc le passif qui est un dot, et donc il y a un petit peu comme si vous mettez un ignite à quelqu'un sur tourelle, à chaque fois que vous, ou un poison par exemple, chaque fois que vous allez vous approcher, la tourelle va vous focus, ce qui est exactement le cas avec Draven, et c'est un petit peu chiant justement, parce qu'on peut pas, il faut Arras, mais en gros vous devez Arras reculer, essayer de regarder si il a encore le passif dessus, bah si vous approchez pour mettre un coup, la tourelle va passer avant que vous ayez frappé, etc, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que Draven est un champion pas forcément facile à gérer, qui fait certes beaucoup de dégâts, mais en teamfight c'est vraiment ignoble à gérer en teamfight. Parce que la moindre erreur est fatale, bien plus qu'aucun carry AD. Je pense que c'est même pire que Vayne pour moi. Je pense Vayne encore a la possibilité d'escape, etc. Et elle peut sushu, elle peut push avec le carreau d'argent, et ce qui n'est pas le cas avec Draven. Donc c'est un perso qui est pas évident à prendre en main. Attention, Mi qui prend quelques dégâts là-haut et Blue qui est tout seul face à Summerzor. Oh, Summerzor, qu'est-ce qu'il fait? Summerzor, il sent pousser des ailes. Summerzor, et on le rappelait tout de suite. Alors, c'est un sol qui récupère le garde. On a l'outil de la part de Ketu qui avait été claqué. Blue qui est tout seul. Blue qui est nu. Blue qui se fait un petit peu cassé en deux là. Ça essaye de temporiser. Blue qui va peut-être mourir. Voilà, Ignite qui est passé. Et Ketu qui a plus beaucoup de vie. Ketu qui va s'en sortir à rien du tout. Heureusement pour lui, vraiment manque de réussite. Et voilà le trap qui passe sur Air Soul qui est vu avec ça. Le blanc, on a le décalage de la part de la Nidalee qui arrive, qui va peut-être essayer de faire quelque chose. Tandis que Mi, lui, se montre très agressif, est vraiment au point d'aller farmer entre les deux tours. Et là, c'est peut-être un dive qui va être prononcé. Il sait très bien, Drowdil. Il essaye de temporiser, tant mec mal. L'atomisation qui passe pas. Donc là, c'est complètement piffé sur cette top lane. Et chacun rentre chez soi. Voilà, pas de soucis. Ça aurait pu être bien plus grave là-dessus. Alors, pour marquer le stuff là-haut. Forcément Irelia qui part sur une trinité, qui est parti sur un phage en face. Miu qui lui part sur un phage aussi, je sais pas, il a pas l'air de vouloir faire son Bruta. Attention, Nanaki qui a pris l'aggro, il a peut-être ulti Nanaki, non il va pas le claquer maintenant, non il veut le garder. Et Draudit qui va prendre assez cher, non si voilà il va le claquer, il y a Lignel qui claque également, ça fait beaucoup de claquer dans mes phrases. Mais au final on s'en sort du côté de Nanaki, pas de problème, et le kill récupéré par Miu. On est à 9-12, la game est plutôt serrée pour l'instant, ça se passe pas trop mal. En tout cas je dois vous l'avouer, elle est bien plus serrée que tout à l'heure. Alors c'était vraiment bien plus dur pour eux de tenir. Ils se faisaient vraiment découpé. On a pu le voir en endgame, c'était très rapide. Attention, K2 versus Mew. Là c'est parti, le fight qui est engagé, fight des familles qui s'en tirent pas trop mal. Et Mew qui va farmer entre les tours, il va même péter la tour, voilà, il ne le respecte pas. Et K2 qui sait très bien que là il est pas très bien. Donc là on lance là dans le stun qui passe. On a le red buff qui ne procra pas puisqu'il n'en a pas forcément Mew. Et il va peut-être péter la tour. Pète la tour, Mew, pète la tour, mec, tu te fais balader. Pète la tour. Voilà, il va mourir comme une merde. Alors ça c'était un cri du cœur. Il avait juste à péter la tour et je pense qu'il récupérait. Mais non, il a voulu assurer le kill et il tombe derrière. Mais il fait tomber le red buff, c'est déjà une bonne chose pour le jungle qui n'est pas le red buff en face. Je sais pas, je regarde un petit peu vos avis aussi sur le chat. Tandis qu'un gang des familles qui est prononcé, l'atomisation qui est complètement piffée sur la mid lane. Voilà, mais en late game, nerf de CWAP des casters AD. Irelia, bon j'en ai parlé tout à l'heure. Irelia, c'est vrai que je trouve que c'est un perso qui a été qui est un petit peu nerf sur ce patch, qui est au profit des bruiseurs pénétration quoi. Je pense à Riven, je pense à Wukong, je pense à Jarvan, à ce genre de perso qui est très fort. Attention là, la tour qui va tomber, ils veulent pas la faire tomber maintenant, s'il la fait tomber, Blue a envie de la faire tomber tout de suite. Là c'est dommage, je pense qu'il aurait dû stratégiquement parlant, se laisser engage par Summer qui a voulu mettre la lame du zénith, parce que derrière on avait Nanaki qui arrivait. Là on a l'ulti qui passe, Assol qui a plus beaucoup de vie, on a Rumble qui arrive aussi, Rumble qui va mettre son ulti dans le tas, ça va faire très mal tout de suite. Là la jolie purge qui est passée, l'ulti dans le tas de la part de Blues, et on a la machette qui récupère le kill sur le jungle, c'est très bien fait, du 1-0. Attention là qui prend quelques dégâts, Blues qui n'a plus beaucoup de vie également, c'est très compliqué. Le shutdown qui a été mis de la part de Riaz, la chaîne qui ne passera pas de décalage de la part du Nidalee, donc ça c'est un petit peu compliqué. Alors est-ce qu'on y va, est-ce qu'on va aller chercher jusqu'au bout du monde? Non, voilà, on va juste déflush sans trop de problèmes. Et Mi qui laissait tout seul sur cette top lane, il peut vraiment aller récupérer la tour sans problème. Voilà ce qui va être fait sans aucun souci. Et au mid c'est pareil, Somme qui est en train lui de récupérer la tour sans trop de problèmes. Voilà, et la tour qui tombe, et Somme qui s'en tire sans souci. Attention la chaîne qui est passée. Voilà Summerzor qui va très certainement tomber sous les coups de Airsol, très bien fait une fois de plus. Alors j'ai l'impression que c'est plus Airsol le carry que Blue. Blue au final il est un petit peu en spectateur avec son Draven. Un peu plus de mal. Voilà, Mi qui lui est tank like Baus, c'est en train de décaler. Là, Mi qui est un petit peu dans la menace, qui décide de partir par le bas. Alors, il joue Udyr qui est un perso qui peut tanker énormément. Udyr qui est un perso qui peut justement fuir sans trop de problèmes. Voilà. Ah, le stun qui est pas passé. Ouais, du fait, le stun qui n'était pas passé. Et derrière, on a Iridia. Je pense que là, Mi a fait un excès de zèle complètement. Et le flash. Oh là là, le flash, non, dégueulasse. Là Mew par contre là c'est la déception totale. Il va tomber tel un petit bonhomme. Il y a même eu un flash, bon on sait pas trop pourquoi là. Cette action n'est absolument pas regardable, crevez-vous les yeux. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est pas trop grave. Donc on a
la Sound avec son Irelia, sa Nidalee qui est partie sur un archange, qui a son déguisement hanté. Je sais pas trop sur quoi il va partir ensuite, mais bon, de la pénétration forcément et de la paix, ça reste assez logique. Botlane, on a fait une grosse baguette de la part de la... Oula, attention, Sound qui... Boost, pardon, qui est très agressif. Si j'oublie, Boost qui prend quelques dégâts. Boost qui va tomber, le flash out. Et là, Yuki qui va l'avoir, le cueillir, tel un petit poisson des prés. Boost qui, depuis tout à l'heure, fait des moves un petit peu inconsidérés, j'ai l'impression. Il fait un petit peu n'importe quoi. Et sans mort les droits. Donc là, Nanaki qui a été vu par la ward, habilement posée de la part de Summer. On s'en sort sans trop de problèmes. On a Assault qui revient. Assault qui part sur un build AP, forcément ils ont, depuis le début de cette compétition, ils ont pas vraiment joué avec des supports en fait, si on regarde bien. Ils ont toujours joué avec de l'AP plutôt, des Morgana, de ce genre de choses, pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Ils se considéraient plutôt bien. Et Assault alors qu'il avait sorti sa Lux qui était plutôt sympa. Là par contre Kifruis, voilà, est en train de mouiller dans sa culotte parce qu'il sait très bien qu'il est mort. Et c'est Assault qui récupère le kill une fois de plus. 4-1-4. Ok, ah, il est vraiment devant quoi. Il est vraiment au-dessus Assault. Avec sa Leblanc support. Il se fait vraiment plaisir, donc c'est en train de back. Bon bah écoutez, petit bilan de la game pour l'instant, hein, je rappelle que la première manche a été remportée, c'est un BO3 de cette finale, la première manche a été remportée par l'équipe de Somme qui est actuellement en rouge, et ça a l'air d'être bien parti pour eux une fois de plus. Ils sont à 5 à gold d'écart en leur faveur, plus de 5 à gold, donc c'est compliqué. Oh, la Spear qui fait tellement de dégâts, la chaîne qui passe, et derrière le kill récupéré par Somme sans aucun souci. Attention, on a l'arrivée très très rapide de la part de Rumble qui ne suffira pas. On a mis une fois de plus là-haut qui va se faire choper, qui va se faire récupérer sans trop de problèmes et qui va tomber sous le coup de Clouded. Il feed un petit peu à notre ami, j'ai l'impression. Si c'est top lane, hein, il fait des pas mal de conneries. Mais bon, ça va, ça se passe pas trop mal. On a Sound en bas là qui est 1v2, qui va peut-être se faire engager. Le slow qui va passer. Derrière, on a Assault qui va venir l'aider. Attention, puis de même, à pas trop faire le fou. Ah, l'ulti qui passe et Riaz qui est complètement chaud là, qui le récupère. Il est en rampage en même temps. Savoir qu'il est à 4-0, que pour l'instant avec son Rumble il a plutôt bien fait la game. Attention, on a notre ami Ketu qui arrive, Ketu qui va prendre quelques dégâts mine de rien. C'est un duel entre le Karyade et le jungle. On a aussi le Rumble qui arrive, c'est assez compliqué. Ketu qui prend très très cher et qui va s'en sortir. Attention, le Rumble qui arrive, la TP de la part de la Sorb pour venir prêter main forte à son collègue, mais trop tard. Donc ça va être du 4v2 sur cette mid lane. 4v2, attention, voilà, Pitover qui passe sans problème. Et on dépush rapidement Assault qui lui est un petit peu tout ça, essayer de récupérer la tour mais ça ne passera pas. Et Drowdid qui vient de faire tomber la tourelle top lane. Est-ce qu'on va aller le cueillir telle une petite fleur des prés? Je ne sais pas. Le Lister qui a l'air de s'y diriger, mais ce sera trop tard je pense. Voilà, c'est trop tard. C'est trop tard, elle est rentrée à la baraque. Et Blues mine de rien qui est à 2-5. Blues qui ne fait pas une très belle game là pour l'instant, qui ne brille pas de par son skill habituel, qui a fait sa BT, qui est en train de la charger. Sol qui harasse un petit peu là. Il est parti sur quoi? Donc on l'a dit, double gold income avec une philo, avec une bonne pioche de cage. Et derrière peut-être en rabadan, ce sera sympa. Du côté de la mid lane, on a Séraphin qui a été terminé parce qu'elle a bien stacké comme il fallait la mid lane. Je pense qu'il va finir son... Alors déguisement T, il va l'évoluer en... Je ne sais jamais comment il s'appelle l'évolution du déguisement T. Donc si vous avez un truc à me souffler sur le chat, n'hésitez pas. Attention, Inget, là, Ketu qui prend tellement cher, qui se fait complètement découper. Il est silent, il n'a plus beaucoup de vie. Il flash out pour s'en sortir. Et derrière, il y a la famille, c'était du 4v2. Donc au final, on ne récupérera pas l'ulti de Nanaki qui a été forcé, qui a été claqué. Et on a Blues qui arrive, Blues qui va lancer son ulti. Est-ce que ça passe ou pas? Non, ça ne touche pas du tout. C'est complètement piffé une fois de plus. On va essayer de revenir. Et malheureusement, le Alistar qui a fait le fou là et qui s'est fait récupérer par le Rumble. On se donne un petit peu. Et ça, c'est pas forcément évident. Voilà, c'est Tourment de Landry. Merci à Myrdine sur le chat qui me donne l'info parce que je n'arrive pas à me souvenir de cet item à chaque fois. Donc c'est le tourment de Landry. Merci. Attention, ça engage. Summerzor qui prend quelques dégâts. L'exode qui a été claqué sur Sound, mais sans grands dégâts. Ils sont 4 là, ils sont paqués. On a la top lane qui a décalé sa race. Sound qui a un petit peu dans la main. Sound qui flash tout de suite, qui se fait choper par l'ulti. Les deux ulti. L'ulti de la part de la Caitlyn qui frappe pas ses dégâts, mais derrière Drowdid qui le récupère. Et on a Assault qui attend. Voilà, ils ont été vus. Ils étaient complètement vus. Assault qui se fait complètement découper. Le shutdown qui a été mis. Blues qui va récupérer le kill. Non, Blues qui ne récupérera pas le kill, qui est vraiment dans la main. Blues qui va tomber. Blues qui tombe sous les coups d'Elias qui est en domination, les amis, et non pas en dominion. Donc autant vous dire que là ça remonte très très bien du côté des bleus, parce que c'est autant d'erreurs du côté des rouges qui font qu'on va les saisir en face. On est quand même assez fort pour pas se laisser avoir sur des conneries. Pareil, Alistar qui arrive, qui va essayer de mettre la pression un petit peu. Allez, on y va. L'atomisation qui a passé, Rias qui va tomber parce qu'il tank le Drake, c'est très bien fait. Mi qui prend très cher aussi. Le Drake, attention, il a pas beaucoup de vie, il va se faire shutdown par Kifruis. Pas de shutdown puisque normalement il a pas de vie. Et là c'est compliqué. Attention, le Alistar qui est un petit peu dans la mélasse là, qui essaie de temporiser. En tout cas, il leur laisse pas le Drake, pardon.
Et ça, c'est une bonne chose. On peut voir qu'au niveau des golds, en global, on a les rouges qui sont devant parce qu'ils ont 2 tours d'avance. Et au niveau du farm, comment ça se passe? En bas, c'est pareil. Bah, ce qu'il y a, c'est que, certes, il fait pas une très belle game, Goose, mais au niveau du farm, il est à 200 creeps quasiment, alors que là où la Caitlyn est à 117. Donc là, là, il y a un écart qui est notable. Un grand écart même. Un petit peu énorme. What the fuck? Ah oui, d'accord. Il me disait pourtant, il n'y a pas de... Oh, il a pris en plus le blue buff. Donc là, je pense qu'il est bien déçu, ça, avec sa Nidalee. Donc ouais, il a poussé avec son headbutt. Je disais, mais il n'y a pas de Blitzcrank. Comment on se fait, c'est... Non, mais rien de méchant. Donc alors on a Sol et Nana qui sont en train de faire le Drake. On va pas être méchant, mais on va dire que c'est pas les deux plus gros DPS qui sont en train de le faire. Donc ça se fait vraiment doucement. On n'a pas d'aide de la part de notre ami Blues qui décide de ne pas bouger. Attention, un petit récupère. Non, c'est bon, le smite qui a été claqué comme il faut. Voilà, quelques dégâts. Summer qui veut y aller, peut-être un ulti. Non, pas d'ulti. Oh, il prend très très cher là. Il s'est fait silence. Il a pris le reboot des familles. Il aspire qu'il ne passera pas malheureusement. Il manque un petit peu de réussite. Et Mii qui revient sur ses entrefaits. De toute façon, les tourelles top des deux côtés sont tombées. Donc au final, on va un peu plus bouger. Aspire qui ne touchera pas, heureusement, hein, qui frise là, qui je pense que son joueur, il a claqué son pick de lance, qui a fait qu'il n'a pas pris tout ça. Donc c'est pas mal joué, Summer qui a plus beaucoup de vie, l'ulti peut-être de la Leona qui va arriver, Leona qui arrive sur ses entrefaits, mais qui n'a plus beaucoup de vie, l'ulti qui est évité, non, qui est un petit peu touché, mais qui permet de prendre... Oh, le fail flash de la part de Nana qui est obligé de claquer son ulti, il va tomber lui aussi sous les coups de Irias. Mon dieu, mais quelle erreur, quel split de la part des bleus. Mais pendant ce temps, j'ai envie de dire, sur cette bot lane, qu'est-ce qui se passe? On a Blues qui est en train de push. Et on a du pop de la part de Yannick Valet. Qui essaye de s'en donner à cœur joueur, mais c'est assez compliqué pour l'instant. Oh là là là. Allez, en bas, donc on a Blues qui est tout seul. Blues qui va essayer de récupérer le kill. Qui récupère le kill sur Summer. C'est très bien fait. Blues qui est 1v2. Blues 1v2! Blues 1v2! Double kill de la part de Blues. 1v2 with the best man, with daddy man. Et oui, Blues qui est présent. Blues qui est là. Ça y est, il nous fait son gros coming out. Il nous a mis Bagdad, les gros dégâts. Et notre ami Nidalee qui récupère le kill à l'aide de Airsol sur la pauvre petite Irelia. Quel game, les amis. Quel Blues. Quel monstre avec son bon vieux Draven. Alors que nous, on pensait qu'ils allaient se faire complètement arracher le fion. Et là, non, il va aller récupérer l'inhibiteur sans trop de soucis. Et puis derrière, le double kill qui a été récupéré sans trop de soucis également. Blues est totalement on fire. Il continue de push, en plus il continue de push, il ne se respecte pas, il ne respecte pas ses adversaires. Attention, on a l'arrivée de la part de Kaitu. Kaitu, tu t'es trompé, tu vas te calmer. Kaitu qui fait le fou, Kaitu qui va peut-être tomber, Kaitu qui va tomber, et Kaitu qui tombe, et ça donne des kills, en veux-tu, en voilà. Blues, et Blues qui se régale, et Blues qui se touche la pine sur cette botlane qui nous récupère le jungle. Mais pourquoi faites-vous ça? Je n'ai pas du tout compris le move de la part des raids là, et c'est surtout qu'on a été surpris du tout. Le kill récupéré par Blues sur cette botlane tout à l'heure, alors qu'il venait à 2 pour lui mettre Bagdad. Ils ont eu le temps de rien mettre du tout. Attention, Summer's Hour qui se fait complètement péter le fion aussi, et ça temporise comme il faut. Oh là 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 là. Le mec rigole 0. Attention, Nana qui claque son ulti, le bait des familles. Voilà, Blues qui arrive. Blues, attention les gars, il a le red buff plus son passif, ça fait quelques dégâts. Donc oui, bon, son comeback, ok, Shinzo, tu te calmes, j'ai jamais été fort en anglais. Donc je me suis mélangé les pinceaux. Donc oui, je voulais pas dire coming out, mais ça, le comeback de la part de Blues, plutôt, ça a l'air plus intéressant. Voilà. Blues vient de retourner la game, comme vous dit dans le chat. Alors, est-ce qu'il vient véritablement de retourner la game? En tout cas, il vient à lui seul de retourner sa game et de se remettre bien comme il faut dans le droit chemin. Attention, Kaitu là, qui est toujours dans les parages. J'attends qu'une chose, c'est de lui sauter dessus sauvagement. Tandis qu'on a la famille qui débarque sur la botlane. Ça va repartir peut-être, ça attend, on ne sait pas. Mii et Song qui sont en train de faire le blue buff adverse. Bon, allez, le KSTL de Chiamel sans trop de problèmes. Et le blue buff récupéré par la Nidalee. Nos problèmes, attention, voilà, Draw Dida qui est là, on a le carry APMI des deux côtés qui sont dans les parages, on a Nana qui arrive, par contre c'est du 3v2 là, ça va être compliqué. La Irelia qui se fait stun tout de suite, peut-être un combo, un wombo combo des familles. Voilà le stun qui passe, derrière l'atomisation qui est mis un poil trop tôt, par contre on a Kikruz qui arrive, il y a la famille, hein, c'est compliqué, la situation se retourne un petit peu. Mick est dans la menace, Mick qui a peut-être cette flash, non, qui va tomber sous les coups du Rumble qui va tomber lui-même, non, c'est Rengar, pardon, je dis des bêtises, par la spire de la Nidalee, là c'est très très dur, Irias qui est à poil, Irias qui prend Bagdad, du joli type pour temporiser, mais ça ne suffira pas. On est Airsol qui nous signe un double kill. Le double kill de la part de Airsol. Est-ce que Airsol is on fire? Airsol triple kill peut-être. Non, c'est Nanaki qui nous casse sa tête, un chien maigre. Tandis que derrière on a Blues qui nous signe un nice de la part de la team de Sol. Très très bien joué ce fight, totalement à leur avantage. Le bait des familles de la part de deux joueurs.
Et derrière, la situation qui s'inverse totalement. La bot lane qui est en train de push. Ils vont pusher pardon, la top lane également sur prendre l'inhibiteur, la tour l'inhibiteur. Et puis derrière, essayer de terminer tout ça après sur la mid lane. C'est très très bien fait. On les voit qu'ils sont, ils sont vraiment au-dessus tout de même. Ils sont vraiment au-dessus parce que la game qui était si serrée. Et là, ils ont décidé, ils ont dit bon, maintenant on en a marre, on gagne. D'accord, on gagne. Bah ok, ok, bah on gagne. Et donc là, ils gagnent. Forcément, là, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très très mal. Voilà, c'est en train d'essayer de les zoner un maximum. Ils vont récupérer en attendant l'inhibiteur au mid. Et là, autant vous dire que 3 inhibiteurs de tomber, c'est la game, c'est le MPGG. Le dernier petit coup de à la tour pour la faire tomber, les tourelles du Nexus. Et là, voilà l'inhibiteur qui va tomber également. 3 inhibiteurs à poil. Et Blues qui est lancé tel une locomotive qui va essayer de mettre quelques dégâts. Blues qui est vraiment bien dans sa game maintenant, la 6-6-7. On voit les damage qu'il met, on voit la pression monumentale qu'il met à ses adversaires. Et là, ils sont vraiment pas bien. Ils sont vraiment pas bien. Je pense qu'ils peuvent. Ils ont pas la Nidalee là pour Poc encore. Elle est allée récupérer son petit. Là, tu as pris quelques dégâts. Attention, est-ce qu'ils veulent aller le chercher ou pas? Ouais, Mink qui va mettre le stun. Mink qui fait un petit peu office de tank humain là. Tranquillou. J'ai cru que Kate allait sauver Caitlyn. Non, moi je savais qu'il allait KS à couper des petits. Ah ouais, attention Caitlyn là, Kaito qui va chercher Blues, le flash agressif, le flash de la part de Blues. Blues qui va peut-être se retourner. Voilà. Et Blues, c'est ça qu'on veut. C'est parti, un fight qui est engagé. Lutu qui a passé, mais derrière on achève tout ça avec la purge, c'est très bien fait. Voilà, et Blues qui survit, Blues qui n'a plus beaucoup de vie et qui récupère le kill sur son vis-à-vis. Et on va sauver Nanaki qui a plus beaucoup de vie. Et là, ça c'est très très dur. Là c'est très très dur. On peut voir que Eriar lui aussi a plus de vie. Et la spire des familles qui passe sur Soul qui tombe, et derrière on a mis qui a complètement zoné le Kariade. C'est la fin des Raikou. Cell Surrender. GG well play. Une fois de plus, l'équipe de Sound qui remporte cette 11e édition de la Blitz Cup. On peut les applaudir. Bravo!